Lui est attendu cet après-midi à Toulon pour une séance de dédicace qui devrait encore faire le plein. Nicolas Sarkozy poursuit la tournée de promotion de son dernier livre, Passion, déjà écoulé à 213 000 exemplaires depuis sa sortie fin juin. Lors de sa dernière venue à Toulon en 2016, des centaines de ses soutiens avaient été au rendez-vous. Il faut dire que l'ancien président y est clairement en terrain conquis. C'est là qu'il avait fait parmi ses meilleurs scores en 2007. La librairie Charlemagne en centre-ville se prépare donc à une nouvelle déferlante, Romain Oquet. On ne voit qu'elle sur la vitrine de la librairie, l'immense photo de Nicolas Sarkozy. Des centaines de personnes attendues, alors par téléphone ou au comptoir, une seule question. Je voulais savoir à partir de quelle heure on pouvait venir. Deux heures à l'avance, conseille-t-on à Anne, une cliente. Il y en a qui allaient voir Johnny Hallyday, moi c'est Nicolas Sarkozy, chacun son truc. La Toulonnaise en profite pour acheter 3 exemplaires à distribuer autour d'elle. C'est quelqu'un que j'aime bien et qu'on a envie d'avoir de ses nouvelles. En tempérament comme le sien, ça manque, je pense. Enfin, il était concerné, quoi. Donc ouais, ça manque un peu quelqu'un de concerné. Le présentoir du livre, placé dans les meilleures ventes, est d'ailleurs aux 3/4 vide, nous montre Sophie, la libraire. C'était quasiment plein ce matin, ouais. Voilà, on en a vendu 194 depuis fin juin. C'est énorme. Ouais. Pas besoin de publicité, ça se vend tout seul. Pas de doute en revanche pour Nicolas, il ne l'achètera pas. Ce ne sont pas mes idées, explique-t-il, à moins que... Je l'ai quand même un petit peu parcouru. Il y a toujours cette curiosité parce que de toute façon, avec sa faconde, avec son charisme, avec son énergie, forcément, on voit le livre. Bon, peut-être qu'on va un peu plus aller jeter un coup d'œil vers ce livre-là qu'un autre. Un succès au-delà de Toulon, ville sarkozyste, un nouveau tirage à 40 000 exemplaires serait prévu. Romain Oquet.